Bonjour à tous, aujourd'hui j'ai testé cet appareil OBD, c'est un premier prix sur Amazon. Voilà, on se pose tous la question, qu'est-ce que ça vaut ces petits appareils? Bah, du coup j'ai décidé de tester pour vous. Voilà. Bon, bien sûr, faut le brancher à la prise OBD sur la voiture, mais ici on voit pas trop. Mettre son contact, on a le bouton VIN ici, on voit pas très bien, je fais de mon mieux. Voilà, on peut appuyer sur ce bouton VIN, ça permet de rechercher le numéro de série de la voiture. Bon, là en l'occurrence, il ne trouve pas sur mon Volkswagen. J'ai essayé sur d'autres voitures, ça l'a trouvé. Hein. Bon, ça n'empêche pas de le faire fonctionner. On va appuyer sur DTC ici pour vérifier les codes erreurs parce que j'ai un moyen allumé sur ce véhicule. Voilà, là ça me dit P0299. Ça m'indique également que c'est turbo chargeur. Bon, je sais que j'ai un manque de pression sur le véhicule, mais ça peut déjà m'aider à m'orienter. Bon, bien sûr, il est en français. Hein. Il faut aller dans Settings. Et c'est tout simple, il y a juste à suivre, même si c'est en anglais à la base, c'est vraiment intuitif pour le mettre en français. Ensuite, pour effacer, je vous montre l'écran, hop, je défile avec la flèche pour aller sur OBD, je clique OK. Hop, code trouvé 1, ça on l'a vu. Lecture des codes, on l'a fait tout à l'heure en passant par le raccourci DTC. Effacement des codes, je prends la petite flèche qui est ici pour me diriger sur effacer les codes. Ensuite, je fais OK, rien de plus simple. Yes, on appuie encore une fois. Effacement effectué. Voilà, rien de bien compliqué. Avec ce type d'appareil, on peut également regarder les valeurs en temps réel. Je pense pas qu'on ait tout comme sur un diagnostic professionnel qui coûte beaucoup plus cher, hein, parce que là, je vous rappelle, on est à un peu moins de 30 euros. Voilà. Autre question qui revient fréquemment aussi, c'est est-ce qu'on peut remettre l'indice de maintenance, c'est-à-dire le petit voyant révision à faire sur le véhicule. Bon, ce n'est pas le cas, hein. Il faut un matériel un peu plus professionnel. Voilà, même si ça reste très très pratique. Bon, pour seulement 30 euros, je pense que ça vaut le coup. Ça évite d'aller payer une soixantaine d'euros chez un professionnel qui ne fera pas forcément mieux que vous. Ça dépend où vous allez. Hop. Voilà. Bon, moi personnellement, je suis très content de ce petit appareil. Je vous mets le lien en dessous si ça peut vous intéresser, si ça vous êtes un peu embêté avec votre voiture. Voilà, pour 30 euros, vous risquez pas grand-chose et ça marche très très bien. Je l'ai essayé sur d'autres véhicules également, voilà, sur Renault et Dacia. Hein. Bon, c'est la plupart du temps, c'est un peu pareil. Hein. Voilà, j'ai essayé sur Opel aussi, ça va très bien. Apparemment, on va un petit peu de partout. Peut-être pas dans tout ce qui est boîtier ABS, airbag, tout ça. C'est vraiment pour les codes défauts du moteur. Voilà. Après, bien sûr, hein, il suffit pas d'effacer le voyant et la voiture réparée. Hein. Il faut après rechercher la panne. Hein. C'est vraiment pour vous orienter vers votre panne. Voilà. Allez, sur ce, je vous souhaite à tous une bonne journée. Je vous mets le lien en dessous si cet appareil peut vous intéresser. À bientôt.